Et salut touriste, j'espère que t'as passé un brave petit week-end. Mon fils a encore avalé sa sucette. Ben Michel, t'as un fils? Depuis pas longtemps, mais il est complètement con. Aujourd'hui, je te conduis dans de nouvelles gorges. Profondes. Il s'agit des gorges de la Vièze à monter dans le canton du Valais. Et je comprends pas, le Valais c'est pas normalement un peu plus à droite? Oui! Et non! C'est-à-dire que la vallée du Chablais est séparée en deux par le Rhône qui délimite une frontière naturelle entre le canton de Vaud et le canton du Valais. T'as compris quelque chose toi? Bah ouais! Non mais c'est vrai que quand tu fais partie de la ville de Sion ou Sierre, t'es limite considéré comme un vaudois quand tu habites à Monté. Traître! Non mais là tu m'as gavé, tu veux que je te montre en quoi Monté est une ville valaisanne? Que de la gueule! D'accord, alors je te montre rapidos ce que tu peux faire à Monté, cette petite ville insoupçonnée de beauté. T'aurais pas une bière? Si tu vomis pas avant la fin, je te montre plein de petits bars tout mignons sa race pour te faire péter le chapiteau. Dans mes bras! T'as vu comme c'est joli? Grave! Si c'est joli, c'est que c'est valaisan. Et ma petite biche! En Suisse, en général, t'as la guerre des cantons pour savoir qui a le plus beau, le plus gros et le plus fleuri. Non mais je te jure que je fais pas exprès, à chaque fois ça part en coup. Et ensuite, t'as carrément la guerre interne au canton. C'est possible ça? Oui! Pour les habitants de Sion, le Valais commence à Martigny. C'est limite s'ils prennent pas leur passeport pour emprunter le tunnel de Saint-Maurice en cas de contrôle. C'est rigolo ça comme prénom, Maurice! Maurice! Oh, c'est rigolo! Je peux t'assurer que Monté est bien valaisanne! Parce qu'il picole grave! Oui! Alors, justement, à ce sujet. Oui, oui, ça arrive! Je vais te parler des bistrots mais aussi des gorges de la Vièze! Ah, ça y est, tu te décides à mouiller ton slip? Monté, c'est quoi? C'est des petits sablés! Mais Monté! Les petits sables au vert de Chamonix. Et non, c'est une petite ville qui se rapproche des 20 000 habitants. À cause des touristes comme toi. Attends que je te fasse des gosses, t'es pas prêt. Si j'affectionne particulièrement cette ville, c'est que personne peut la blairer en Valais. Et j'aime bien les villes un petit canard, surtout en magret. Si tu te pars place de l'hôtel de ville, le premier truc que tu aperçois, c'est la petite chapelle du pont, lieu de culte de la belle paroisse de Monté. J'ai toujours cru que c'était un rond-point, perso. En entrant un poil dans la ville... Des terrasses. Non mais t'es qui, toi, en fait? Juste un mec bourré. D'accord, tu peux la fermer deux minutes? Donc je disais, en entrant un peu plus profond en ville, va voir le joli château des gouverneurs. Ce château est l'ancien QG des gouverneurs du district de Monté. Aujourd'hui, on y expose des choses et on y organise des petits concerts. Mais il subsiste encore des séances hebdomadaires pour le conseil municipal. Hebdomadaire, ça m'a toujours fait penser à dromadaire. Je t'ai parlé de la chapelle du pont. Voici l'église catholique de Monté. C'est tout, elle s'appelle église, point barre. Elle date du 18e, mais elle s'est faite défoncer quelques temps plus tard pour laisser place à un style néoclassique qui pète sa mère. Est-ce que tu sais que le théâtre du Crochetant peut accueillir 650 touristes? Est-ce que tu sais que les gorges de la Vièze existent? Est-ce que tu sais que la grosse conduite qui coupe Monté en deux donne de l'énergie sa mère? Ah ouais, et comment ça marche? Ah mais c'est très simple, c'est une conduite forcée qui force l'eau et... paf, t'as de l'énergie hydroélectrique. Ah, change rien, c'est vachement plus clair. Est-ce que tu sais que tu peux te taper 500 marches en remontant le long de la conduite? Eh ben moi, toute cette flotte, ça me donne envie d'habiter dans le canton de Vaud. Allez touristes, allons faire un tour dans les gorges profondes de la Vièze. Ah quand même! Encore de la flotte, bordel! Promis, après on se fait péter la carafe? Oui!
c'est pas Mimzou. Je me casse, t'es trop mignon là. Les gorges de la Vièse, c'est une petite rando alliant tunnel avec un interrupteur comme si t'étais dans ta chambre. Ah ouais, économie de courant ma gueule. Et pont suspendu de 90 mètres de long pour une hauteur de 60 mètres. Alors moi ça va, mais si t'es pas habitué, tu vas se faire des parties molles. Et si comme moi tu fais la grande boucle, tu peux péter ça en 1h30. Sauf si tu fais des photos avec mémé. En redescendant en ville, tu traverses le pont couvert, considéré comme monument historique de Montée, et solide sa race puisqu'il a plus de 200 balais. Il en a fait traverser du moine. Et aussi les armées françaises du temps de Napoléon. Ah oui oui, c'est bon, maintenant on va se détruire le foie. Youpi. Des bars, de la bonne bouffe, du soleil. Tu vois que Montée est valaisanne? Dis-moi en commentaire si tu veux dégager le Chablais du Valais. Dis-moi si t'en as rien à foutre et que tu aimes tout le monde. Abonne-toi si t'es tout neuf, mets-moi un gros pouce d'amour et partage cette vidéo à tous les valaisans des montagnes. Petite parenthèse, est-ce que tu sais que le week-end prochain, il y a Djibril Cissé à Montée? Il y a un match de foot? Non, 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 il est DJ maintenant. Bisous, peace, love, flex, cornflex. You got me shaking, yeah, I feel